Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une petite robe avec des petites bretelles, un ruban derrière, donc faites pas attention, elle n'est pas finie, voyez la bretelle ici, celle-là elle est à finir, donc elle est avec des volants, j'ai mis du rose, du bleu et du vert. La laine qui se tricote avec un crochet numéro 3,5. Donc j'ai pris la rose, vert et bleu. Donc, et là c'est de 2 à 3 ans selon l'enfant. Donc on va commencer par le haut, ici. Donc j'ai mis le ruban pour serrer, régler sur l'enfant. Donc on commence par le haut. Enlever. On commence avec le rose. En faisant une chaînette de 82 mailles. Voici monté. Donc vous avez 82 mailles, moi j'en ai mis moins, et vous allez comprendre de toute façon, autrement le tuto il va durer trop longtemps. Donc vous, ici cette chaînette, vous allez la fermer, mais il faut bien faire attention, bien comme ceci, après ce sera pas droit. Donc vous allez dans la dernière, vous piquez le crochet, et vous faites une jetée, vous fermez et vous passez en dessous des deux mailles, vous fermez le cercle. Maintenant on va faire une rangée de double bride pour dire de passer le cordon, le ruban. Donc on commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté, deux jetés. Donc un jeté, deux jetés, vous piquez dans la maille suivante. Vous ramenez une bride, un jeté, vous écoulez deux mailles, un jeté. Vous écoulez deux mailles, à jeter les deux dernières. Si vous voulez, vous faites des simples brides, si vous avez un plus petit ruban. Donc vous allez continuer jusqu'au bout en faisant une double bride dans chaque maille. Donc deux jetés, on pique, on ramène une maille, à jeter, on en étire deux, les deux et deux. Vous continuez jusqu'à la fin, on se rejoint à la fin du rang. Voici la ligne terminée. Donc pour fermer cette ligne, on va dans la troisième maille, les trois mailles en l'air du rang, la première maille qu'on a faite au début, on pique dedans et on fait une maille coulée. Voici. Voyez, donc vous avez 82 mailles. Donc le deuxième tour, enfin le premier du point, on va faire 3 mailles en l'air, on va refaire, on va faire une bride dans la même maille, on fait une maille en l'air et on refait deux brides dans la même maille. Une, deux. Voilà un motif. On fait un jeté, on compte une, deux, et dans la troisième, on va faire une bride. Deux brides dans la même, une maille en l'air et encore deux brides dans la même maille. Je vous montre, voyez, deux motifs. Vous continuez à jeter, vous passez deux mailles et dans la troisième vous piquez et vous refaites deux brides, une maille en l'air et deux brides dans la même. Et vous recommencez, vous continuez tout le long du tour. Arrivé à la fin, je vous montre. À toute voici, on arrive à la fin. Donc, vous fermez par une maille coulée ici, à la troisième maille du rang précédent. Donc maintenant, pour le deuxième tour, il faut bien faire attention. Voici les motifs. Donc, il va falloir faire une maille coulée dans le trou ici, après les deux brides. Voilà. Et maintenant, on peut faire son motif. Autrement, ça ne va pas aller. Et on fait trois mailles en l'air. Et on refait le motif, une bride, les trois mailles en l'air servent pour une bride, on fait une maille en l'air et on refait deux brides dans les mêmes trous. Je vous montre, vous voyez, le motif est bien en dessous du premier rang. Donc il faudra toujours faire une maille coulée pour se retrouver dans le motif. Et vous continuez, dans chaque trou, vous faites deux brides. Une maille en l'air. Deux brides. Et vous allez continuer tout le tour comme ça. Et fermer le tour toujours par une maille coulée, comme le premier tour. Et vous allez faire 8 tours comme ceci. Je vais compter pour être plus sûr. Après les doubles brides pour mettre le ruban, on compte à partir de en dessous le motif. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tours. Ça, c'est à vous de voir aussi si vous pouvez en faire 7 ou... Donc, moi, j'ai fait 8 tours. Donc, je vais vous laisser faire vos 8 tours. Et on se rejoint après. Voici. J'ai terminé. Vous avez ici les 8 tours. Donc, pour faire la couleur, voyez le petit volant ici. On va passer à la couleur bleue. Je vais vous montrer comment. Donc vous avez ici le haut, il va falloir compter un motif, deux motifs, le replier vers le haut. Vous le retournez et vous piquez le crochet, donc on est côté envers. On va changer de couleur. Rentre le bleu et vous allez faire trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même trou, une deuxième, vous faites exactement le point, le motif que le rose. Donc vous voyez, vous allez toujours aller dans les motifs en regardant bien s'il y a deux motifs ici et vous repliez. Faites un jeté, vous allez au milieu du motif ici. Et vous refaites le motif, c'est-à-dire deux brides, une maille en l'air, deux brides. Je vais vous montrer ça. Vous continuez dans chaque motif, vous faites un motif, mais tout en regardant bien s'il y a les deux pliés. Ça doit être plié vers le haut. Donc en retournant quand ce sera fini, vous allez avoir le petit volant. Là c'est parce que le bleu il dépasse pas ici. Et de là, on fera un petit picot. Vous voyez? Le bleu. Donc vous allez continuer. Je vais compter les tours de bleu. 2, 3. Neuf. Tour de bleu, ce sera 9 tours. Car là, je suis à l'envers. Donc j'ai bien calculé, il faut 9 tours de bleu. Vous faites exactement pareil motif. Et là, il y en a deux en l'air. Vous piquez ici. Donc vous tricotez ici à l'envers. Vous allez continuer 9 tours comme ça, exactement les mêmes motifs que le rose. On plie bien et où qu'on voit un motif, on pique dedans et on refait un motif dedans. Vous fermez à la fin par une maille coulée et vous allez continuer comme ça, 9 tours, et on se revoit après. Voici tour de rose, les 9 bleus, mais moi j'ai fait que 3 tours, c'est pour vous montrer. Voilà, vous devez avoir ceci. Sauf les picots, là on les fait en dernier. Un étage, deux étages. Et là, on va commencer, c'est pareil, on va faire le troisième étage exactement pareil. Donc, je prends du vert. Ça, on peut le rentrer. Après. Donc, je vais... Vous regardez bien l'envers et l'endroit. Vous pliez les deux comme on l'a fait au rose. Donc le petit morceau, les deux étages, ils doivent toujours être vers le haut. Donc là vous travaillez à l'envers, vous piquez dans la moitié du motif, vous mettez du vert. Tenez le petit bout et vous faites 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Donc, ça compte pour une bride. Vous refaites pareil. Dans le même trou, vous faites une bride. Donc ça fait 2 brides, une maille en l'air, et on refait 2 brides dans le même trou. Vous refaites pareil que le rose et le bleu. Vous allez dans le motif suivant, vous pliez, et vous refaites un motif. Vous faites pareil, et cette fois-ci, il y aura 1, 2, 3, 4, je ne vois pas bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Il y aura 8 tours de vert. Donc je vous laisse faire les 8 tours. Vous faites exactement comme le rose et le bleu. Et on se rejoint après. Voici, vous avez terminé ceci. Maintenant je vais vous montrer comment faire le petit picot ici et ici. De toute façon, je vous montre ici, là ce sera pareil. Donc, je reprends mon petit morceau. Pour faire un picot, vous allez au bout du petit volant rose. Vous piquez dans le milieu du motif. Vous prenez de la laine. Moi j'ai pris de l'écru. Vous tenez le petit morceau. Et vous faites une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. C'est-à-dire, on pique, on ramène une boucle, une jetée, un jeté, et on découle les deux mailles. Vous faites ça dans chaque maille. Alors, soit que vous allez dans les mailles, ou soit carrément dans les grands trous, entre les briques. De toute façon, c'est la même chose. Donc, je vous laisse faire un tour de maille serrée. Et on se rejoint à la fin de la ligne. Voici, arrivé au bout de la ligne, on pique dans la première des mailles qu'on a faites au début, et on y fait une maille coulée. Maintenant, on va faire le deuxième tour. On fait une, 2, 3, 4 mailles en l'air, et on va piquer dans la première des mailles qu'on vient de faire, ici, on fait un jeté, on ramène une boucle, et cette boucle, on va la glisser dans celle du crochet. Et on compte une maille, et on pique dans la deuxième, et on y fait une maille coulée. Voici un picot. On recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la première des mailles ici. Une maille coulée. Hop. Et on passe une maille. Dans la maille suivante, on y fait une maille coulée. Alors, 1, 2, 3, 4, une maille coulée dans la première, vous passez une maille coulée dans la suivante. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait ceci, les petits picots. Donc vous allez continuer tout le rang comme ça, en terminant par une maille coulée, en fermant le tour. A tout de suite. Voici le tour de picot fait. Donc, vous allez faire pareil au bleu, ici. Donc, quand vous aurez fini les deux picots, je vais vous montrer les bretelles. Moi, je les ai faites, mais ils sont ici. Vous mettez la petite trompe comme ça, vous comptez, vous mettez bien comme ça. Vous comptez à partir d'ici, sur le côté 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième maille, vous piquez votre crochet. Moi, j'ai décidé de les faire en bleu. Donc, on tient le petit fil ici. Donc, la sixième maille, vous faites une, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Dans la maille suivante, vous piquez directement dans le trou, c'est pareil. Dans la maille suivante, vous faites une bride. Dans la troisième, une bride. Quatrième. Cinq, 6 et 7. On fait 7 brides. Voilà le début de la bretelle. Donc ici au bout, de l'autre côté, il faut bien regarder ici si vous avez toujours les 6. Vous allez là, mettez bien à plat et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, vous faites pareil, vous faites 7 brides. Donc ici, 7 brides. Donc après on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne son travail, on refait, maille par maille, 7 brides. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, donc ça fait 2 ici, 3, 4, 5, 6, et 7 ici. Piquez dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Et vous refaites 3 mailles en l'air. Vous retournez, voyez. Et je vais vous dire le nombre de tours qu'il faut faire. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tours. Tout juste 20 tours de bretelles. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Et quand vos deux bretelles ils seront finies, je vous montre le picot ici autour. C'est le même genre que les petits volants. Autour de la bretelle, le petit picot. Voici la bretelle terminée. La deuxième, bien sûr, je me suis avancée à faire le picot autour. Je vais vous montrer comment faire sur celle-ci qui est vide. Donc, pour faire le picot, on pique dans le creux ici, dans le rose. Vous mettez le fil écru, vous tenez bien le petit bout, qu'on va rentrer en même temps d'ailleurs. Et vous faites une maille en l'air. Donc on reprend le petit bout. Il est un peu grand, on le coupe un petit peu. Hop. Donc dans chaque maille ici, vous allez piquer. Vous allez faire une maille serrée, tout en rentrant le petit bout. Donc, on voit pas tellement les mailles, mais on voit, vous faites régulier. Là, il y a un petit trou, on pique dedans. Là, comme ceci, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, vous voyez? Faut tâcher de faire régulier. Parce que comme les brides, ils sont à l'envers, c'est pas évident. Vous voyez, vous allez aller faire tout le tour une maille serrée. Je vous montre à la fin, ici, au bout, comment il faut faire. On va arriver en haut, je vais vous montrer pour tourner. Là. Ici un petit fil, on va le rentrer aussi. Voici, on arrive en haut. Donc vous allez vraiment dans la dernière maille, une maille serrée, puis arrivé en haut, quand vous avez fait la dernière maille, vous faites une maille en l'air pour tourner. Donc vous allez dans la maille suivante tout en rentrant le petit fil bleu. Parce que si on ne fait pas la petite maille en l'air, ça va faire une grimace. Donc vous allez faire le petit bout, c'est-à-dire les 7 brides de la bretelle. Vous faites jusqu'à la dernière maille ici, et vous faites le même, une maille en l'air, pour aller à l'autre morceau. Voilà, et vous allez faire une maille serrée comme de l'autre côté, jusqu'ici en bas. Et on se rejoint ici en bas. A tout de suite. Nous voici arrivés à la fin de la ligne. Donc, vous piquez dans le rose, vous ramenez la boucle et vous la mettez sur la boucle ici. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous tournez votre travail, la bretelle, et on va refaire le petit picot. On va piquer ici dans la première, comme on a fait au volant. On va arriver. Vous passez une maille, vous piquez une maille coulée dans l'autre maille. Donc on recommence 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la première, on y fait une maille coulée, vous passez une maille et vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, une maille coulée, vous passez une maille, dans la maille suivante on y fait une maille coulée aussi. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Et tout le tour, et on se rejoint ici à la fin. Voici arrivé à la fin. On pique dans le rose, on fait une maille coulée. Hop. Et on coupe le fil. Il faudra rentrer comme ceci, vous rentrez, vous faites une paire de fois comme ceci, hop, ah ben, ciseaux à l'envers, hop, je vous montre ça. Vous faites donc, voici une bretelle, la deuxième, donc c'est réglable ici, ici, comme ceci, donc elle va aller à plusieurs hanches. Donc c'est terminé. Donc moi j'ai choisi des boutons comme ceci, vous pouvez mettre des roses ou des verts, vous les cousez ici. Et avec la bride au milieu, vous aboutonnez. Comme ceci, voilà. Après, j'ai pris un ruban qu'il faut passer avec une épingle, tous les deux brides, et en liant le nœud par derrière. Vous allez le voir sur le tuto. Donc, ben, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas au pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.